Merci beaucoup. Je remercie surtout les organisateurs de m'avoir invité. Cette conférence, c'est vrai qu'elle se situe dans un contexte médiatique plutôt difficile, avec notamment le glyphosate et les perturbateurs endocriniens. Je dirais que cette conférence est bien, comment dire, est bien dans l'air du temps, et notamment pour la prévention. Je vais essayer, donc, au travers de ma petite intervention, vous présenter le rôle de la MSA notamment. Alors, c'est vrai que de nos jours, l'utilisation des pesticides est plutôt fréquente, aussi bien dans le monde professionnel, mais je rappelle aussi parmi les jardiniers du dimanche, parce qu'on peut acheter des produits que l'on utilise dans son jardin, dans ses plantations assez fréquemment. Alors, qu'est-ce que c'est un pesticide? Quels sont les produits concernés? Quels peuvent être leurs retentissements sur la santé et l'environnement? Alors, c'est vrai que les médias utilisent ce terme pesticide qui fait un petit peu peur. Alors, normalement, ils emploient ce terme-là à la place des produits phytosanitaires. Ce mot vient de l'anglais qui peste, qui signifie ravageur, auquel on a ajouté le mot seed, tueur. La communauté européenne, dans une circulaire de 1994, a préféré retenir le nom de produits phytosanitaires, ce qui est assez élargi un petit peu l'ensemble. Donc c'est toute substance et toute préparation qui contient elle-même une ou plusieurs substances actives pour protéger les végétaux, pour exercer une action sur les processus vitaux, pour améliorer leur conservation et pour détruire les végétaux indésirables, le glyphosate étant actuellement le produit vedette de cette dernière catégorie de substances. La France serait le deuxième ou troisième utilisateur mondial de ces produits phytopharmaceutiques, après les États-Unis, en équilibre avec l'Espagne, mais j'ai eu du mal à retrouver des chiffres. En gros, on estime à 70 000 tonnes à peu près de ces produits qui sont utilisés ou non, parce que certains sont stockés. Et c'est vrai que c'est dépendant aussi des périodes, comment dirais-je, de climat, puisque quand, par exemple, c'est très humide, on va utiliser beaucoup de fongicides. Voilà, donc c'est assez difficile, c'est assez variable. Bon, je ne sais pas si les intervenants suivants auront peut-être des chiffres un peu plus précis. Je voudrais rappeler à ce stade, et je reviens un peu sur le glyphosate, que le CIRC, c'est le Centre international de recherche contre le cancer qui est situé à Lyon, a désigné en 2015 le glyphosate comme un probablement, j'insiste bien, probablement cancérogène. Je signale que c'est au même titre que le travail de nuit. Travail de nuit aussi est reconnu probablement cancérogène. Cependant, les études sont très contradictoires. Il y en a une qui vient de sortir récemment le 9 novembre 2017, The Journal of the National Cancer Institute, qui dédouanerait le glyphosate de son caractère cancérogène. Et nous sommes là dans un débat qui est scientifique et politique. On doit constater également que dans ces débats, et j'ai écouté un peu ce qui se disait autour à la télévision ou dans la presse, il y a une confusion qui existe entre le danger, qui est la propriété d'un produit ou d'une technique susceptible de causer un dommage qui est quelque chose qui est un événement non souhaité, et le risque, qui est l'éventualité d'une rencontre entre l'être humain et le danger auquel il est exposé. Julien Kremer reviendra dans son intervention sur ce concept. Au-delà des substances qui sont utilisées individuellement, se pose aussi le problème du mélange des produits phytopharmaceutiques concerne tout le monde, aussi bien l'utilisateur que le consommateur, qui peut être exposé à de faibles quantités de ces produits au travers de son alimentation, de l'eau, de l'air, etc. Quel est l'impact de ces mélanges sur l'être humain? Difficile à déterminer. On ne sait pas mesurer réellement les conséquences au niveau de la cellule humaine, et l'évaluation des effets des molécules de ces produits phytopharmaceutiques devrait être réactualisé assez régulièrement. Je rappelle que le décret de la santé au travail, plus spécifique au monde agricole, qui est paru au journal officiel en fait le 31 août, avec une mise en application en septembre, prévoit une surveillance médicale renforcée pour l'exposition aux CMR. Les CMR, c'est les produits qui sont cancérigènes ou cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction. Je pense que là, le docteur Gérard Bernadac reviendra un petit peu sur ces thèmes. Alors, vous allez me dire, que fait la MSA? Que font la MSA et ses équipes de préventeurs pour contribuer à diminuer ce risque, éviter le danger, apporter des informations
et un suivi pour les utilisateurs de ces produits phytopharmaceutiques. Je voudrais simplement rappeler que la MSA est le deuxième régime de sécurité sociale en France, qui a pour particularité ce qu'on appelle le guichet unique. En un même lieu, une personne pourra être immatriculée, prise en compte pour ses problèmes de santé, pour sa vie sociale, familiale et même pour sa retraite. Au travers de ces différents services, la MSA prend en compte la problématique de ces produits phytosanitaires. D'une part, par l'action des médecins du travail, des infirmières de santé au travail qui ont intégré les équipes récemment, et des conseillers en prévention, des risques professionnels, c'est leur titre exact. En ce qui concerne plus particulièrement les salariés agricoles et les exploitants, c'est un peu notre rôle de travailler auprès de ces personnes, et indirectement auprès de la société. En tant que caisse de sécurité sociale, par l'intermédiaire des médecins conseils et des services techniques de la caisse, notamment par exemple le service social, il y a une autre approche, une approche plutôt sociale, médico-sociale. Un salarié agricole ou un exploitant qui est atteint de certaines pathologies pourra bénéficier de la reconnaissance d'une maladie professionnelle ou en tout cas d'une prise en charge médicale et sociale. Elle contribue, la MSA, par ailleurs, à la réalisation et au suivi d'études sur les produits phytosanitaires qui ont abouti au retrait de certains produits, je pense à l'arsenic, et même si ça n'a pas été forcément très apprécié, parce qu'il manque toujours le problème du produit de remplacement. Toutefois, la corrélation entre cancer et utilisation des pesticides est particulièrement difficile à établir et qui est toujours sujette à polémique. Pour la prévention, la MSA a mis en place en 1991 un réseau de toxicovigilance en agriculture qui est totalement indépendant et qui est baptisé Phytattitude. Alors bon, vu les circonstances de ces derniers jours, je vais vous expliquer que la boîte de com qui a choisi ce terme l'a fait par rapport au 34e album studio de Johnny Hallyday qui s'intitulait Rock'n'Roll Attitude et qui était sorti en 85. Et donc, basant sur cette corrélation, Phytattitude avait retrouvé cette notion-là. Depuis 1997, ce réseau couvre la France entière et il a été complété en 2004 par un numéro vert gratuit. Je vous demande de le noter. C'est le 0800 887 887. Le but, c'est que tout utilisateur professionnel, parce que des fois on est sollicité par des individus, enfin des gens du public, on va dire, puisse signaler des symptômes qui sont en relation avec la manipulation des produits phytopharmaceutiques. Alors je sais que c'est une pratique, quand on est dans ce domaine-là, on pense que par exemple tousser après qu'on ait passé un produit, se gratter, être un petit peu barbouillé, paraît normal, ça rentre dans le jeu, c'est l'utilisation du produit. Eh bien non, je crois qu'il faut ne pas hésiter à signaler à ce réseau ces petits symptômes, ces petits signes qui permettent ensuite, alors on est nous en local, on est en Occitanie, mais si ces phénomènes se produisent lors de l'utilisation d'un produit à travers toute la France, il y a une collecte de ces informations qui est faite, et le but c'est d'améliorer les fiches de données sécurité, voire d'imposer aux fabricants certains respects de normes sur les protections, et ainsi de suite. C'est un petit peu dommage que ça soit un petit peu oublié. En 2005, l'étude Agrican a été lancée dans les 11 départements possédant un registre des cancers. Le département du Tarn, dont je suis issu, puisque je suis sur Albi, avait un tel registre et on a été inclus dans cette cohorte. C'est une étude statistique prospective de type longitudinal, c'est-à-dire en fait une étude qui est sur la durée et qui essaye de comparer deux sortes de personnes, c'est-à-dire les salariés ou exploitants exposés à un risque dans le cadre de leur métier et la population globale. Alors, je sais aussi, là, il y a des épaisseurs pas possibles sur les documents qui ont été rendus par cette équipe Agrican, avec des contestations de toutes sortes, ceci étant. En gros, les résultats montrent qu'il y a moins de cancer dans les gens qui sont suivis par l'enquête Agrican, chez les hommes 30% moins, chez les femmes un petit peu moins, 24%. Concernant le Tarn, j'ai quelques chiffres qui sont entre 2005 et 2010, puisque dans ce genre d'études, ça prend toujours un petit peu de temps pour avoir des résultats. Il y a eu 11 000 personnes qui étaient concernées par l'enquête. On a observé 1132 décès, c'est-à-dire 10% des personnes depuis le début de l'enquête en 2005. 282 sont décédés par cancer. Et ce qu'on a pu constater, c'était une spécificité pour les cancers des voies aérodigestives chez l'homme. Donc ce qui touche larynx, la bouche et les voies respiratoires.
Il n'y a pas d'explication. Actuellement, les chercheurs travaillent dessus. En agriculture, jusqu'à présent, la consommation de tabac, qui est un des gros facteurs de risque, était plus faible que dans la population générale. Ça reste à prouver. Avec une infirmière du service, on s'est inclus dans une étude auprès des arboriculteurs du Tarn-et-Garonne, qui était initiée par l'INRA de Toulouse avec son laboratoire Toxalim, et la participation de l'IRTEA avec la Sonia Grinbühler. Et le but étant d'évaluer scientifiquement les délais de réentrée dans les parcelles. Vous avez évoqué tout à l'heure le fait d'aller dans une parcelle qui vient d'être traitée ou autre, et on ne sait pas trop. Les bases aujourd'hui, elles sont liées en fait aux enquêtes de phytattitude, mais il n'y en a pas d'effet concret. Donc le but, si on y arrive, j'espère, sera de montrer ces choses-là. C'est technique, il y a des prélèvements, mais il y a aussi, nous, au titre de la MSA, on interviendra dans des prélèvements sanguins et urinaires pour essayer de voir, d'une part, les métabolites au niveau urinaire et les produits circulants au niveau sanguin. Toute activité humaine, bien sûr, à risque, implique la protection des opérateurs. Les pratiques de nettoyage sont fondamentales. Et je pense que plusieurs intervenants ainsi que les stands pourront répondre à ces questions. Du côté de l'État et des pouvoirs publics, il y a des actions concrètes qui sont en cours. Le plan Ecophyto 2, donc c'est Madame Desroux qui présentera, Aurore qui présentera Desroux, pardon, je sais pas votre nom. Ainsi que le rôle de la directe, qui est en matière de prévention et de contrôle, qui n'est pas forcément le contrôle un rôle valorisant, n'est-ce pas? Parce que mais je crois que ça se révèle assez indispensable en ce qui concerne les abus qu'on peut rencontrer. Je garde pour la fin de cet exposé les élèves BTS du lycée Charlemagne, qui, au travers de leur présentation, montrent tout l'intérêt qu'il y a d'évaluer les risques liés à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques. Moi, ça me paraît très important, et vous l'avez dit tout à l'heure aussi, que les élèves qui sont de futurs agriculteurs mesurent bien le danger des produits, qu'ils nous apprennent à se protéger, qu'ils optimisent l'utilisation de ces substances, qu'ils se dirigent vers une agriculture qu'on va qualifier de raisonnée, consciente. Mais bien sûr, en utilisant toutes les alternatives qui sont proposées, mais de façon aussi économiquement rentable, parce que le problème, c'est quand même, c'est ça. Donc certains agriculteurs les utilisent aujourd'hui avec certains succès, on va dire. Mais je voudrais au total, et je finirai là-dessus, que la population cesse de considérer l'agriculteur comme un pollueur, parce que malheureusement, c'est ce qui ressort habituellement. Voilà, je vous remercie.